À 56 ans, l'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz a frôlé le pire ce dimanche, victime d'un très grave accident de moto, il a été transporté à l'hôpital dans un état sérieux. Si ses jours ne sont désormais plus en danger, le quinquagénaire doit être patient pour se remettre de ce drame évité de justesse. Sans parler de ses enfants, présents au moment du choc. Un accident qui aurait pu lui coûter la vie. En pleine préparation pour un nouveau rôle ce dimanche après-midi, Mathieu Kassovitz a brutalement perdu le contrôle en pleine accélération de la moto qu'il s'entraînait à piloter sur le circuit de Linas-Montlhéry, en Essonne. Rapidement pris en charge après le choc brutal, selon les sources de BFM Télévision et du Parisien, puis transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Il serait aujourd'hui dans un état grave, mais son pronostic vital n'est plus engagé, selon sa famille. Cependant, le drame a été évité de peu, selon nos confrères du Parisien. Ceux-ci relatent en effet ce lundi que l'acteur et réalisateur de 56 ans souffrait à l'arrivée des secours notamment d'un traumatisme crânien sévère, de plusieurs fractures ouvertes et d'une fracture du bassin. Souffrant le martyr, selon les témoins, il aurait été rapidement endormi pour le transport. Un accident d'une grande violence donc, qui devrait lui laisser pas mal de traces. Et pas uniquement à lui, deux de ses trois enfants ont en effet assisté au carambolage ce dimanche. L'une de ses filles, probablement l'aînée, était même sur une moto, avec un instructeur, juste derrière lui. Et on imagine sa peur en voyant son père chuter si violemment. Mathieu Kassovitz, papa et pilote chevronné. Mathieu Kassovitz a eu d'abord une fille, Carmen, 21 ans, qui suit ses traces dans le cinéma, avec l'actrice Julie Modouèche, avant d'accueillir un garçon et une fille avec son ex-compagne Aurore. Et si le trio devrait le soutenir autant que possible dans cette rééducation qui s'annonce longue et douloureuse, on imagine qu'ils ont eu la frayeur de leur vie ce dimanche. Le parquet d'Evry-Courcouronnes, quant à lui, a ouvert une enquête pour recherche de cause de blessure. Il faut dire qu'à 56 ans, Mathieu Kassovitz était un pilote chevronné, malgré un certain côté casse-cou. Dans une émission sur RMC consacrée à la moto en 2019, il avait notamment admis qu'à 15 ans de permis, il s'était parfois fait quelques frayeurs. J'aime bien les machines, j'aime bien la technicité pour arriver à les maîtriser. J'ai eu mon permis à 40 ans. J'ai tout de suite commencé par des 1200 cm3, par des gros trucs, chez BMW. J'ai commencé avec des RT, un gros modèle du constructeur allemand, j'ai cassé deux ou trois moteurs. Point, je suis tout de suite monté sur des motos trop lourdes pour moi. Mais cette fois-ci, la violence du choc devrait le dissuader d'enfourcher une moto dans les mois à venir.